Mohamed, je suis très content aujourd'hui pour vous présenter mon filet. Mais avec moi, j'ai mon ami. Je m'appelle Mendy Sla Gebsi Mendela. Cette présentation, c'est un exercice. Le sujet d'aujourd'hui est pour moi, c'est génie mécanique. Et je suis votre présentateur. À côté de moi, c'est Mendela Mendy. Dans cette présentation, se couvre ce qui sont. Premièrement, on va introduire vous. Notre filière, génie mécanique. Après, on va vous présenter une histoire du génie mécanique. Ensuite, qui sont les principaux contributeurs du génie mécanique? Et aussi, les nouvelles frontières du génie mécanique. Quelles sont les différentes disciplines de génie mécanique? Et enfin, les carrières en génie mécanique. Qu'est-ce que le génie mécanique? Par définition, le génie mécanique est une discipline ingénieure qui applique les principes de mathématiques, chimie et physique ou les matériels scientifiques pour analyser la conception et entraînant les systèmes mécaniques. Je vous dis que notre filière est la mère de toutes nos filières d'ingénie. Par l'histoire, le premier nom qui existe dans cette mondiale, il a utilisé les outils primitifs pour faire leur travail pour trouver manger pour nourriture pour manger. Et aussi, à côté de l'autre machine simple. Après, on a utilisé la machine à vapeur. Mais ça, c'est le feu qu'il a utilisé. Quand on met le feu dedans, dans leur moteur, après il commence par travailler. Maintenant, après, aujourd'hui, on utilise le moteur moderne. Maintenant, dans génie mécanique, qui sont les contributeurs? Le premièrement, c'est Aristote. Et aussi, on a un homme qui s'appelle Sir Isaac Newton. Et Albert Einstein. C'est lui qui a commencé à travailler en génie mécanique. Il a fait beaucoup pour nous tous. Parce que c'est leurs idées qu'aujourd'hui, on qui amusait nous. Maintenant, les sujets fondamentaux du génie mécanique, je vous reste un peu et mon ami va présenter ça. Bonsoir à tous, je m'appelle Mendy Mendela. Avant de commencer la présentation des sujets fondamentaux du génie mécanique, je voudrais clarifier un point. Donc, je voudrais noter le différent entre mécanicien et mécanique ingénieur. Un mécanicien, c'est une personne qui maintient les machines que un ingénieur mécanique a construit. Par exemple,
quand un ingénieur mécanique a construit une voiture, il vend la voiture dans la société. Quand la voiture est dans la société, quand il y a un problème avec la voiture, le mécanicien, on va corriger la situation dans la voiture. Ça, ce n'est pas une ingénieur mécanique. Une ingénieur mécanique assemble tous les matériaux pour former une voiture. Pour commencer, les sujets fondamentaux du génie mécanique, premièrement, c'est la mathématique. Le sens mathématique, c'est premier pour une personne qui va faire génie mécanique parce que il utilise beaucoup de beaucoup de software dans l'ordinateur pour faire une différentes parties d'une voiture. Par exemple, le moteur dans une voiture est fait par une software dans l'ordinateur pour assembler dans l'ordinateur avant de commencer l'application. Et aussi, les sciences de physique. La science de physique, c'est essentiel pour nous tous parce que toutes les actions qui occurrent dans le monde, c'est influencé par une idée en physique. Nous, génie mécanique, utilisons cette idée et l'appliquons en réalité pour nous bénéficier. Aussi, on a statique et dynamique parce que le statique, quand on a par exemple, on construit un pont, une génie mécanique détermine le forcement qui applique dans cet objet statique. Aussi, on a dynamique. Par exemple, un objet qui on bouge, par exemple l'avion, par exemple voiture qui on bouge, on a l'air qui travaille sur cette. On va. Conclusion. Notre conclusion. La filière jeune mécanique est le meilleur. Il y a beaucoup dans jeune mécanique, il y a beaucoup d'autres filières comme robotique, automécanique, mécanique industrielle, nanotechnologie, aéronautique et mécatronique. Donc, je vous dis, vous nous ajoutez pour faire notre filière, pour contribuer à notre filière. Mesdames et messieurs, je vous remercie.